tokotala na kati ya République démocratique du Congo et pays wapi bino peuple congolais boku luka koyeba nani wako travailler pour l'intérêt na bino pe nani oyo akoluka ko travailler pour na intérêt personnel na ye ezali la grande question oyo boku tuna kabiso yango mikolo na mikolo yango biso comme tozalaka na vraiment na confiance oyo bino bopesa kabiso tango nyoso bozali ebele oyo boku landa biso na tango oyo yango tozwili bakuya koyamba mwana mboka Fedi Mukendi elongo na yeto kobeta masolo etali mboka parce que tolobaka awa masolo mboka ebeta maranaba na mboka. Voilà raison pour laquelle tokosolola na o etali processus électoral mapona miango ekomi basusu bako kima mbango balobi no mapona mina kati ya pile mokatiki di kongo zalanga nango tri chéri na est vrai basusu bako loba mingi mais tokotala de l'autre côté ba candidat oyo pe bazala bon ba prétendant na candidature Moutouna moutou aye na projet nini. Qui est derrière qui? Na bandi te toumeka un peu ko beta ma solo wana pour que toi éclaircir parce que eza ebele ma solo ko beta ma na toile na ba réseaux sociaux et ba des informations pe ezali ebele en moto ye na la bonne personne à la bonne place pour que toi zo ba bonne information et te mettre en bonne disposition na bino peuple congolais et de partout bo kolanda biso ba diaspora nyonso bo ko zwili ba ko kolanda biso pour que toi solo ma solo ou Itali Mboka, situation sécuritaire aussi. Le mouvement autodéfense, Bazuma Kamnama Boko. Mais tout côté de l'autre côté, les chefs de l'État, Azali Nangamboku Nayaka Katanga. Ba Congolais Baleli, Ba Kato de Kindakaboye, Ba Minere Kobunga Boye, est-ce win-win et à respecter? Mon Mboka Fedi Mukendi, Botenayo. Botendeko, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi yakoya ko participer na émission la Bino pour la première fois. Na monaka Bino na YouTube de voilà. Manière régulière. J'étais heureux de nazala invité na Bino. Voilà, et to ko beta masuli tali mboka na banza yete tango yo kotala parce que to ko ya pe pa ina yo yo kozali candidat na députation nationale na circonscription na ya Mbujimayi toko ya pe place wana parce que photo e babe ba vérité ma solo ku meza ndenge nini parce que comme ba construction PDL 145 territoire zo le ndenge nini toko ya pe kuna kubanga te wana place wana toko ya parce que eza pe na ebele ya koloba place wana mais tango ku mona santé politique de République démocratique du Congo o ku mona scène politique ya République démocratique du Congo o ko sala analyse nini Ezo salanga esengo makasi pona komona ke vision ya mokonzi ya mboka eza ko se consolider davantage eza ko se mettre en œuvre nombre ya ba candidats députés nationaux provinciaux et puis nombre ya ba candidats président de la République oyo bazokende ko déposer na CENI ezo la kisake pilier ya consolidation ya démocratie oyo eza parmi ba pilier ya vision ya chef de l'État et ça pour se consolider davantage parce que Félix Tshisekedi aligne Mboka aligne ba congolais et puis aligne démocratie donc mutunyo sa na liberté ya ko postuler ya ko se faire aimer et pas ba congolais ponanga scène politique eza kitoko Surtout, tant on a moni de konabiso Martin Fayulu a qui a déposé candidature. Oh, Yé mouto a boya qui a kende kuna. On est là où tu l'as dit, où tu l'as dit, où Alors il vient à comprendre, j'ai. Alors bien sûr, on a été na Tikali. Parce que, 13 ans en marche. Ce que au quotité au Tikali. Donc, il vient à côté. Et puis, si on a essayé, les lots. Processus électoral est totalement inclusif. Ah, il pas eu ba susuba ko le la balobi déjà ils ali na couleur moko boye à la tête na yango déjà couleur moko ba denika di mabazali et puis bango moko ba tepe ba candidat ba candidat bana na bango ba sina bango tout ça population ko a ko e ko tungi sa population. Couleur ata moko ezate. Ah. Ndeko. Tika bato bazo lela balela. Bato bazo banga ba banga. Oyebi nga na salimingi na ba organisme international. Na kosala wana na tikala kozala recommandé pa mutu ata moko te. Ça fait plus de 17 ans que je travaille dans les organismes internationaux.
Ce que je dis, c'est que je suis dit, je suis dit, je suis dit, je dit, mon cher ami, kota na ba, ba media oezo offrir ba offre d'emploi. Possible que nous salatés, c'est dit, biloko ne la kaya lukuta, basa la kana batuna bango di, ngai depuis na kola nan ba recommander ngati. Na salaka test na zoak. Je veux dire quoi? Ce moutaibi ke azana base te, azana popularité te, ako luka ba prétexte. Il y a qu'on justifie l'échec na yé mokolo échec koya. Mais ce qui okay na processus, ce côté na processus électoral, ça veut dire que osana confiance na processus wana. Ba résultat oye koya, o kondima yango. Soit, osobo ya oken de processus, otikali, oselita mouye so koya pour organiser l'élection de okoti. Ah, mais le kon les aka batunde bazo organiser l'élection. Ce qu'on dit, Mikokota, tu as dit, oh, couleur, ceci, cela. Non. Mais, dernier cas, il y a une bande de Kebelete. Il y a bande de Kebele, la majorité au pouvoir, la opposition au pouvoir, la opposition, la société civile. Il y a une bande de privilégiés, il y a une bande de parce que tout ça dépend de la carte. Le processus électoral. Mais, tu as dit, mais, le temps où il y a été. Bah, tu déjà, bah, ni déjà, qu'on fustige le processus électoral. Mais, pour l'an dit, message à Denis Moukoui, qui va s'aller candidat, il y a l'objet que, t'as boycotté l'élection, avant, pendant et après. Mais, mon tout, n'en a pas, ils ont boycotté avant, pendant, après, au Kende, au Kende, pour l'an dit. Denis Moukoui, il y a l'objet qui a boycotté. Oui, ils allaient officiel. Ils allaient officiel. Parce que moi-même, j'étais là, dans Notre-Dame de Fatima, dans le point de presse, naïe, avant qu'il y ait Kende vous déposer. Il a dit ça. Alors, il m'a dit que tu es avant, pendant et après. Et puis, tu es vigilant. Alors, mais pourquoi tu veux ta candidature? Mais il y a élection et puis il y a une postulé. Mais il y a une question. Non, mais ça, je crois que c'est. Je m'excuse, c'est un peu de la folie. Ce que tu es loco, ce que tu es moi aussi. Okendola na enda kumoko. Ah, mais il y a... Non, c'est quoi, oboye moi si? Okobande otambla na ye? Oboye moi si, okoye kope se dot. Oboye moi si, anana boye, na boye. Ozo sombele na bilamba. Parce que, Denis Mukwege a payé $100,000 na semi. Yani, pour procéder que ndelibosote, pour aboye yango. Non, mon cher ami. C'est une fuite en avance. Je ne l'ai pas suivi, moi, personnellement. Si il a dit ça, c'est une fuite en avance. Il sait pertinemment que les Congolais sont unis autour des Congolais. Sont unis autour des candidats qui ont le projet de société qui valorise les Congolais. A dit aussi que ceux qui ont eu un projet à Batunayo et à Poto, ba multinational, ou ba zoti na yo, ok, ndoti comme ça, ou salaka. Ok, donc on dépose candidature. Mon amboka, nana ou tine bana ni baza de. Poto banda ko. Oh, mais. Poto banda ko célébrer mariage à ba homosexuel. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ma Congolais baza vigilant. Bisso, tozana processus électoral. Kala wanda koloba. Te, tolingi glissmate. Ce qui attaque après une minute, l'équipe. Transition sans Félix Tshisekedi. Alors, tu es là, na élection le 20 décembre. Ah, vous confirmez, monsieur, l'élection le 20 décembre 2020. Là, ils n'ont confirmé que Denis Kadima. Oh, mais toi, tu es journaliste. Non, non, là, la crédibilité de l'information dépend de la crédibilité de la source. Mais la source, c'est Denis Kadima qui est organisateur des élections. Alors, dans notre langage, il n'y a pas le vocable glissement. Il y aura élection le 20 décembre 2023. Il a donné le calendrier électoral. Depuis qu'il a donné ce calendrier, pas à pas, toutes les dates sont respectées jusqu'en ce moment où on dépose les candidatures pour avoir président de la République. Mais qu'est-ce que vous faites rêver que l'élection est le 20 décembre?
Mais parce que la kit électorale, ils ont déployé dans le site Nango. Plutôt que mon. Est-ce que. Au moins, il y en a 2018. Il y a un calendrier électoral. Total calendrier électoral. Ah, mais calendrier électoral. Le déploiement de kit est prévu à quel moment? Il faut regarder le calendrier électoral. Parce que, rappelez-vous, il ne faut pas vous référer au processus passé. Parce que le processus passé, c'était le processus des. Trop budgétivore. Oh, oui, pour ne pas dire processus de budgétivore. Oh, oui. Rappelez-vous que dans le processus passé, on a enrôlé les Congolais pendant près de un an. Alors que notre expert maison, Mwana Mboka Denis Kadima, a organisé enrôlement dans 3 mois. Mais enrôlement où il y a Tina Kouchou, le Salamine en terre. Non, mais les réalités sont connues. 145 territoires. Les réalités sont connues. Dans la gestion d'un pays, dans la gestion de programmes, les circonstances inattendues, les menaces peuvent arriver. Ah, donc, la guerre fait partie des menaces dans la gestion. Donc, moi, non, la guerre, il n'y a pas une élection sans territoire. La guerre, il n'y a personne qui peut prévoir que la guerre va arriver au mois de décembre. Non, personne ne peut prévoir ça. Ce sont des menaces, ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et quand ça arrive, on s'adapte à la situation. Les amis de l'opposition ont dit le 20 décembre, il faut élection Izala. Ce qu'élection Izalité, vraiment, le ciel va tomber. Lorsque le président du secrétaire à Genève, il a dit à ses décideurs, à la communauté internationale, cette communauté internationale où il y a une partie des gens qui soutiennent le Rwanda dans les aventures qu'il fait à l'Est. Si vous n'intervenez pas pour que la guerre cesse, il y a risque qu'il n'y ait pas élection dans les délais constitutionnels et vous allez crier au compromis à l'africaine. Ben, parce que je n'ai pas fini. Allez-y. Les amis de l'opposition sont sortis de leur caserne. Tous, non. Il faut qu'il y ait élection. Donc, on dit, mais glissement à ta mon côté. Ce qui est glissement, donc ça, la transition sans Félix Tshisekedi. Voilà. C'est là où je voulais advenir. Eh bien, Denis Kadima, regarde. Il a consulté, bien sûr, la classe politique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Entre glisser et mettre le pays entier dans le feu et le sang, et entre organiser les élections sans une partie de la population, bien sûr, en leur réservant un quota pour les sièges à la députation nationale et provinciale. Qu'est-ce qui est mieux? Un vrai décideur, il choisit entre deux mots, il choisit le moindre. On y va, on enrôle les gens. Là où il y a l'insécurité, on n'enrôle pas. En attendant les efforts du gouvernement de ramener la paix dans ces territoires, et on va enrôler. Je crois que c'est un très bon gestionnaire. Plutôt ça a déjà presque un mois et demi parce que campagne ça et vous allez lancer le 19 novembre à Oua. Ouais. Mais bande quoi toujours bazana en enrôlé. Situation sécuritaire bango moko baza conscient que baza enrôlé té ce qui baza enrôlé té c'est à cause de l'insécurité. C'est ainsi que bande quoi attend balelaka enrôlement té balelaka DP Kimia ezonga parce que dit que ce Kimia ezongi va ko enrôlé bango. Ceux qui m'ont enjoint, bah on va dans salle misala na bango, bah au kende bilanga, bah au kende ko salle misala pour développer Mboka. Donc la priorité pour nos frères là, c'est pas les élections. La priorité pour eux, c'est la paix et que la paix revienne. Si la paix revienne, les restes de leurs droits, ils vont en jouir. Donc tout qu'aucune élection, parce que à l'heure où tout qu'aucune débouillé, tout le monde a que dans presque un mois. Oh, et ça un peu difficile quand même que ben de quoi on va s'enrôler. Donc tout qui n'est pas pour nous sans le territoire mon amour. Je reste optimiste
que la paix revienne avant les élections. Je reste optimiste. Mais si la paix ne revient pas, je pense qu'on n'aura pas péché d'organiser les élections sans les territoires où il y a l'insécurité. On aura fait un choix entre deux mots. On a choisi le mal le plus moindre. Qu'organiser l'élection, côté que parti à ma territoire où il y a l'insécurité. Au lieu à Koboya qu'organiser l'élection, Namboka Mobimba. Koboya qu'organiser Namboka Mobimba, et ça n'a pas conséquence mabé makasi qui organiser élection kotika quelques territoires où il y a insécurité. Voilà. Mais ça c'est mon point de vue. Oui, c'est un point de vue nayo. Mais toko ki ndesu kote débriefé nano tout à l'heure nous esprit oyo bato oyo baye va ko présenter la population pour que population ndiba bango na présidentielle oyo ya le 20 décembre 2023. Tout beti déjà masolo ya Denis Mukwege et Denis Mukwege oyo lelo ne ko réparer ba maman les loyers à ko réparer puis République démocratique du Congo. Denis Mukwege, c'est un aîné que je respecte beaucoup. C'est aussi son droit à postuler comme candidat président. Mais il a eu une chance Mouké Makassi. Mouké Makassi, d'abord, a un ancrage politique sérieux dans le Congo. Oh! A compté dans les médias internationaux, RFI, TV5 Monde, blabla. Malheureusement, ils ne sont plus suivis chez nous. Les Congolais ont compris que ces médias-là manipulent les Congolais pour avoir intérêt dans Bango. C'est ainsi que les gens ont dit qu'il y a un sondage à Target. Et puis, c'est RFI 13%. La audience de la RDC. Et 13%, là, il y a un peu de temps. Et ça, il y a baza na Gombe, dans ma campagne. Papa Nicolo. Oh, peut-être qu'il y a un peu de temps. Mais, jeune nion sur le balandar babour en terre. Oh, oui. Balandar est fils sous thé. Balandar TV, c'est un monde thé. Jeune, il y a des novelas, il y a des séries, il y a des informations. Le col est à Bino Boyne, tout ce bêta boy. Si on tient à mon YouTube, si on a pas un million de vues. Un million de vues. Et là, ma papa, on a balandar est refité. Ah bah jeune, maman de bazar na téléphone. Donc Denis Mukwege mal parti. Très mal parti. Très mal parti parce que il ne compte pas sur les Congolais. Il compte sur les étrangers pour accéder au pouvoir. Et s'il accède au pouvoir, donc il ne travaillera pas pour l'intérêt des Congolais, à travailler pour Nabatoua Nabatindie. Vous comprenez? Denis Mukwege a fait l'hôpital de Panzi. Il est devenu prix Nobel. Il a eu de l'argent. Après ça, vous pensez que les violences sexuelles sont seulement au sud Kivu? Un homme sérieux, quand il fait une entreprise, cette entreprise doit s'étendre. Pourquoi on doit rester seulement au sud Kivu? Mais on veut gérer toute la République. Donc on a réussi à gérer qu'une clinique. Et puis, on prétend vouloir gérer la RDC. Bon, c'est son droit. C'est son droit. La vérité, c'est qu'il n'a pas un cage politique. Il compte sur les étrangers. Les étrangers peuvent pas voter à côté. Mais ce n'est pas voté. Mais la diaspora va voter. Va ça combien? Et puis, la diaspora n'a pas voté candidat à... Bah, étranger. Candidat. Mais, diaspora, dit, parce que, bah, on a eu ma belle à bah, étranger. Ah, peut-être les vieux Bouquetchou. J'ai l'accompagnement. Bouquetchou. Accompagnement, voilà, c'est les. Denis Mukwege. Oh, quand même. Tu me l'as écrit. Oh. Hein? Au moins, Bouquetchou, ça, Bougar. Mais tant qu'on t'a eu Bouquetchou, on a oublié Denis. Qui m'a Bouquetchou pour Bouquetchou soit là. Ah, ça, Bougar. Qui m'a Bouquetchou, Bouquetchou soit là. Lui, non, c'est un compatriote, moi je l'apprécie. C'est un compatriote libre d'esprit. Je l'apprécie. Ngana rimate bato bazalaka na kaka mokoboy. Bokete soutient qui? Chef Fayou la bêtise ma bête à beta. Sur Moïse a sali ma bête à
akobeta ye. Ce que peut Félix Sali Mabé abeti. Mais tu as la masolone yo kené parce que nga kuna ko banga na ko tala mukole so aleki président garde républicaine peut-être les amopandi parce que jusqu'à présent bato ba ko protéger za Monisco. Nga na mona ibongo personnellement garde mi bagarde ne za ba Monisco. Ils amo pasi. C'est un signe fort hein. Ah voilà le bien côté. Tu savais de côté. On n'a pas confiance dans la police nationale congolaise de son pays, n'a pas confiance dans l'armée de son pays, n'a pas confiance dans les institutions de son pays, bref, n'a pas confiance dans le peuple congolais. Mais à l'ingé peuple, on a fait ses votes. C'est pas possible. Mais tout le parce que tout le monde est ensemble. Bref, ma bini mangou, ma lobby, que voilà, acharnement politique, n'engénini, et MLP, Franck Dion, ma lobby, que yagoti kanaye, naba. Bah photocopie hein bah yambi na bango mais tant que comme on est ensemble Moïse Katumbi bah compliqué mais par après bon bah on va le dire grâce à Dieu que les candidatures écoutent quand même les acharnements politiques au pouvoir au salon Moïse Katumbi. Bon là quand tu as Franck Dion t'as pas déposé la photocopie mais Franck Dion quand tu as non mon cher ami, quand on veut gérer le pays quand on veut gérer le pays on doit connaître les lois de son pays. Parmi les documents exigés, il y a les certificats de nationalité. Quand il s'agit de la copie certifiée, la loi dit qu'il faut déposer la copie certifiée, par exemple, du diplôme. Mais quand il s'agit d'un document original, on ne parle pas de copie certifiée. Oh, non, mais Moïse Katumbi est entouré des avocats et des juristes. Il fallait qu'il le sache ou qu'il pose la question. Au lieu d'envoyer d'abord les photocopies et puis utiliser, selon certaines indiscrétions, selon des trucs que j'ai vu sur les réseaux sociaux, utiliser un jet privé pour amener un document à Kinshasa. Oh, mais est-ce que... mais est-ce que les amis... Parce que nous avons dit qu'ils allaient acharnement. On ne peut même pas parler d'acharnement. On ne peut même pas parler d'acharnement parce qu'il n'est pas le seul opposant qui concourt au poste de président. Baza et Bélé, Bako Sacharne naye pona nini. Yeza ko représente nini pona Congo. Parce que c'est le candidat le plus faible. Oh, mon amboka. Non, Andeo Yambongo naye, je m'excuse. Andeo Yambongo naye, c'est le candidat le plus faible. Du fait que. C'est qu'elle est faible. Mounia Bosa la tournée. Faible du fait que Moïse Katumbi. Depuis que les Congolais ont voté la loi des pères et des mères dans leur cœur et dans leur tête, les Congolais iront chez lui juste pour soutirer de l'argent. Oh, mais non pour le voter. Non, ça c'est vrai. Les élections, c'est le 20 décembre. Vous allez me donner raison. Ah, oui. Mais parce que, est-ce que faut tout en ça dit faut la gestion, il y a parti. Acharnement, il y a quelque chose, il fallait taire parce que il y a conditions qui demandaient la CENI, mais il y a respecté un côté. Il y a peut-être faut. Il y a problème de communication et problème de leadership. Pierre Louala, il a condamné ça. Il a dit oh, le président Nini. Président Nini, il y a parti politique, il a ambitionné pour diriger Congo, grand pays. Mais bazo intimidé et pas battu na yo munongwa bimi oh nazal sous président de la ligue des femmes té OK ko bon de la ye azongi ça fois bimi en na ligue sous na kambona té OK ko bon de la ye azongi Francis Kalombo tu vois Pierre Loa azamu tunaye a dénoncé leadership na ye a dénoncé communication na bango donc à leur place. Moi, je me tairai. Le col n'a qu'à y causer au barogino, la pessi, et puis bah recevoir candidature nanga. J'allais me taire, considérer que c'est une erreur que nous avons commise et que nous avons réparée. Voilà, erreur oui, commettre. Mais ensemble, elles ont quand même moi ma tata. Ma tata la nini. Parce que ensemble, les gars zawana, elles ont Kabila bis, elles ont PPRD bis, elles ont FCC bis. Et connim ça la nini. Je vous rappelle que dans la gestion, il y a Joseph Kabila,
Moïse Katumbi, c'était une pièce maîtresse. Il était même vu comme de fait à Kabila. Nous avons eu quoi? Des gestions à Kabila. Oyo, Moïse Katumbi, a collègue Sebissou. Parce que lui a participé dans la gestion. Il a géré le Grand Katanga. La province la plus riche. À la fin, Kabila, il s'est dit Bango. Bino, la bande à repasser Bino Bongo et Bélé. Rétrocession, la Katanga, c'est la guerre Bélé. La bande à repasser que Bokosa, la Katanga, la voyage au Koutango et comme il est là. Tanga qui paye mon goboui. Le roi la pote, tout le bagage, le roi la pote. Mais na zomona que Katanga est reculé. Baba Kungwa dit la même chose. Et qui était à la tête de la province, c'était Moïse Katumbi. Et il a utilisé en ce temps-là le média, tant national qu'international, pour n'appeler qui c'est qu'il y a bandé qu'on salam ou salam alam. Oh man, non, les lots. Mon cher ami. Article 14 dans le stade de Mazembeza. Stade n'a pas privé. Ah, yeah. Moïse Katumbi, c'est un commerçant. J'ai dit à Moïse Katumbi, c'est un commerçant. Biloko ya zo sala malam ya bien. Et ça la ka biloko o ya na intérêt privé, na ya intérêt à famille. C'est même pour ça que j'ai dit, moi et tous les Congolais, Moïse Katumbi, il est très bon pour faire les affaires. Il peut faire les affaires, créer les entreprises et devenir riche davantage. Parce que ceux qui te salieraient à Koloba, qui te paient ça, Mboka na maboko ya Moïse Katumbi. Eza lokola to zui mboka to teki yango. Oh! Parce que un commerçant, idéologie na déontologie à commerçant, objectif na eza la koluka, bénéfice na intérêt, pour akoma le plus, de plus en plus riche. Oh! Yongone, nani ya yako. Donc ça veut dire que à cause de la paix à côté Kamboka Oimobimba, pour que le monde entier se mette à parler de lui. Mboka va pèsa Kambo n'est pas un politicien. Pèsa Kambo n'est pas commerçant. Mboka va pèsa Kambo n'est pas un politicien. Le seul et le grand politicien que nous connaissons dans ce pays qui n'a pas fait autre chose que la politique, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah, mais il n'a pas fait autre chose que la politique, mais bande de copains, il n'a pas fait autre chose. Non, je ne veux pas, je ne veux pas répondre, mon cher, je ne veux répondre. Il n'a pas fait autre chose depuis son enfance que la politique. Il est né par un politicien avec les sangs politiques. Il a grandi dans une maison où on ne parle que politique. Il a combattu en politique jusqu'à devenir président de la République. C'est-à-dire, dans sa tête, il sait ce que ça veut dire qu'être politicien. Être politicien, c'est travailler pour les biens communautaires. Être commerçant, c'est travailler pour les biens et intérêts personnels, privés. C'est ainsi que, vous avez vu, on a fait l'erreur de prendre un grand leader, Ndeko Matata Ponyo, ouais, t'as ma économie, ma cassie. Bâtier Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est faire l'université la plus luxueuse de la RDC. Oh, mais tika qui. Tika qui. Boukangalo, je vais mal. Tika qui. Non, mais je disais. Mais il y a un bateau basan à ma kila et à commerce. Ce que tiye et sika à kosala, moussala pour na batou soussou. Azo bounaka ka asana no loko na ye a bien. Ça le quoi la Joseph Kabila. Ligné moko. Bazala ki association ya ba commerçant. Mais bazui pona ko gérer mboka. Joseph Kabila, commerçant. Moïse Katumbi, commerçant. Matata Ponyo, commerçant. Matata Ponyo s'est lancé pour être candidat président de la République. Oui. Il vient pour aller construire encore beaucoup d'universités pour lui-même. Hey, Abakari. Parce que pendant qu'il était premier ministre, 4 ans. Bancarisé veut dire quoi? 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 Bancarisé veut dire quoi?
Il a été plébiscité meilleur premier ministre, mon Amboka. Par quel cabinet? Oui, il s'est plébiscité lui-même, comme Moïse Katumbi, il s'était plébiscité meilleur gouverneur. Alors que il y a deux gouverneurs qui avaient trop peu de moyens et qui ont réussi à faire des choses. Quand vous comparez, par exemple, Yango est fastigé, hein, parce que tu es Kolanda. Et moi, parole naïe, après avoir voté la candidature naïe, parce qu'il est encore en convalescence, mais Alomi qui a travaillé dans 4 milliards, moi qui n'ai aucun déliboso, mais les lots 16 milliards, rien ne marche. C'est même quelqu'un qui avoue son échec. Un premier ministre, on ne lui donne pas l'argent avec lequel travailler. Il mobilise l'argent avec lequel il doit travailler. Mais avec tout ce qu'il a fait comme étude, économiste de formation. Il était incapable de mobiliser dans ce pays 10 milliards de dollars, 5 milliards de dollars. Pendant 4 ans, il a maintenu le fonctionnaire de l'État avec les mêmes conditions de travail, le même médiocre salaire pour plaire à la communauté internationale, au Fonds monétaire international, qui lui obligeait de ne pas augmenter les dépenses internes pour afin qu'il puisse avoir des relations avec FMI. Cela a préjudicié le fonctionnaire de l'État. Vous comprenez? Donc, Un premier ministre, c'est ça, non? N'a lobby que il n'a pas augmenté les salaires de fonctionnaires de l'État, justement pour plaire à ses amis. Avec lequel il voulait être en collaboration, tu vois. Si c'est toi qui dis oui, je ne connais ça. Je dis seulement. Parce que c'est lui dit que je travaille. Il a réussi à travailler. Azaïkan a 4 milliards de dollars. D'abord, le fait de dire ça, il a avoué son échec. Comment ça? Parce qu'un premier ministre, on ne lui donne pas l'argent, et à Kossala Nango, mais c'est lui qui mobilise l'argent pour apporter un service à l'État. Parce que bah, service à Mboka. Pour le 16 milliards, ils ont frappé. Parce que tu as besoin de développer, à développer ni. À Tongimini. Ça m'a développé ni. Ça m'a développé. 145 territoires. Ah! Gratuité de l'enseignement. Il y a plus de 2000 écoles qui sont construites. Il y a la gratuité de l'accouchement et des soins de nouveau-nés. Sam! Il a construit plus de construites depuis les temps belges. Pendant les 4 ans. Sam le connaît. Avec Félix Tshisekedi. Osa candidat député national na circonscription ya Mbujimayi. Oui. Ni ne salami déjà na Mbujimayi. En Mbujimayi, depuis que moi j'ai grandi, je n'ai pas vu une seule route asphaltée. Ah, merci beaucoup ya Oloba vérité. Mais aujourd'hui, te Oloba vérité, c'est pas le singa makasi. Et salami na singa makasi. Oui, je n'ai pas fini. Aujourd'hui, depuis que Félix Tshisekedi est là avec Sam Lokonde. Presque toutes les routes sont en train d'être asphaltées. Mbujimayi, depuis que moi j'ai grandi, je n'avais jamais vu un hôpital de l'État être construit par l'État. Donc, depuis l'indépendance, je n'ai pas vu ça. Université Mbujimayi et Zawabi. Je n'ai pas encore fini. J'ai vu des grands hôpitaux être construits à Mbujimayi. J'ai vu des grandes écoles être construites en Mbujimayi, ce que je n'avais jamais vu. J'ai vu une université de l'État en train d'être construite. En Mbujimayi. Ah! Université au Mokonde Moka, il y a un demi-année, elle est là, Il a fait le suivi, il a trouvé que les travaux n'avançaient pas. Et dans la gestion de projet, ceux qui travaux ils ont avancé, ça ne veut pas dire qu'on va détourner un bon. Il faut que tout n'a.
Pourquoi ils ont avancé? Ils ont avancé parce que le Kassai oriental est enclavé, l'acheminement des matériaux a posé problème. Oui, c'est une raison. Ah, on est allé voir la mayonnaise. Non, mais j'ai dit, vous pouvez aller aujourd'hui, l'état que le président avait trouvé cette université-là, ce n'est pas le même état aujourd'hui. Donc, les choses ont évolué. La construction a évolué. Ce qui est au Kende, pour que tout à la moins, ma solo, il y a des moko n'embougimaï. Oui. Moko n'embougimaï. Oui, c'est ça. Il y a un télé à Kalambambouji. Il y a un Ningeni. Kalambambouji, il y a un Mbougimaï. Il y a un Kanang. Il y a un Kanang. Oui. Parce qu'il est relié à Nyosokaka. Oui. Oui. Kalambambouji, c'est à Kananga. Ce n'est pas Mbougimaï. Mais je sais que les travaux ont été lancés. Dans la délité pour nous avoir des anophones. Tout le bagage qu'ils ont évolué. Tout le bagage par exemple. Tout le bagage qu'ils ont évolué. Est-ce que c'est pour cela qu'on peut dire que ça m'a échoué? Non. Donc, quand vous comparez les réalisations de Samuel Kondé pendant ces 3 ans, ces réalisations ne sont même pas égales aux réalisations des 18 ans de Kabila. Merci beaucoup. Tout le chité dans juste. Qui te coule dans une minute, ouais. Tourner un chef de l'État dans grand Katanga. Est-ce qu'il y a déjà campagne électorale? C'est sa campagne électorale, parce que campagne dans le bandit, chef de l'État, Azo Sala Moussala, ou peuple congolais, va pesa eko sala. A quel point inaugurer bah ouvrage, Oyo, à Sali Nambongo, à bah congolais? A la qui sa bah congolais, que talambongo, ou pesa gana bah impôt, na bah taxe, Moussala, Azo Sala. Au lieu que les arabes à carte bancaire, il y a un bateau qui est tiré, il y a un bateau qui est tiré, il y a un bateau qui est tiré. Mais, il y a un bon bateau qui est tiré. Il y a un bateau qui est tiré. Il y a un bateau qui est tiré. Carte bancaire, il y a un bateau qui est tiré dans la poche. Ok, il y a un 10 000. Ok, il y a un 15 000. Ok, il y a un bateau qui est tiré. Ok, il y a un bateau qui est tiré. Il y a un bateau qui est tiré. Mais, il y a un bateau. Donc, tu as oublié l'histoire? Il faut relire. Hein? Non, on ne l'oublie pas. Donc, le chef de l'État est encore dans son mandat. Mandat n'a rien à l'utilité. Donc, il est en train de faire le travail où il y a eu le PSAI en 2019. Kenda, ça a été mis au Moussala. Donc, il a mis au école. Il y a inauguré par école. Il a inauguré port sec où il y a environ 8000. Place il y a 8000 tracts, bah restaurant, bah banque, na bilo mususukuna. A inauguré pe bâtiment moderne il y a DGDA. Hein? Ne ratum ya gérer qu'on a pendant près de 12 ans. Na yebaga te que DGDA il faut pas construire. Bâtiment parce que DGDA ne bané ko côté sila ya mbongo belé. Aussi longtemps que bah minerai pe na na loala na minerai bana kolega kuna yenda okimate hein bana okina mukimoibit lelo mukonza moka win win esan ngeni win win mon cher win win ezo évoluer makasi évoluer makasi oui mais... on est même en train d'implanter des industries pour la transformation des minerais au à Kolwezi mon amboka za makasi tout ce qui s'est nabiso mais oui que mon amboka Joseph Kabila boyo yamba chef de l'État na Lubumbashi aboyo yamba Félix olobi mon amboka Joseph Kabila aboyo ko yamba Félix na Lubumbashi yo so mon amuntu aboyo ko yamba mokonzi amboka ni tumuni bongo te o moni bongo bi o moni na réseaux sociaux mais kasite yeye yeba te mokonzi amboka te mon cher woti ka Joseph Kabila avanda kimia pour que les problèmes te avanda kimia. Parce que je ne sais pas si je suis un président. Ce qui présente, c'est le lobby, les lots. Honorable sénateur à vie, on est à Kouyero, Kinshasa, Léo, dans 2 heures qu'on a fait. 2 heures après, je ne sais pas comment va arriver. Ah! Il y a aussi un pouvoir. Pouvoir! Peut-être que nous avons eu force à pouvoir. Kabila, pour avoir été au pouvoir, il connaît ce que c'est qu'un pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Parce qu'il sait que on ne joue pas avec le pouvoir. Ah, mon amour. 30 secondes. Je ne sais pas si je suis en train de me dire. Mon amour, je suis en train de me dire.
Kagengele. Ouais. Voilà. Et candidat député national na circonscription à Mbujimayi. Ouais. 30 secondes. Message numéro ça na population congolaise Mobimba. Population congolaise Mobimba, nazo ebisa bango que c'est le temps pour changer la classe politique congolaise. C'est le temps de faire le bon choix lorsque les élections vont avoir lieu. Totika kozela bilamba mungwa mbongo pona ko voter mutu. Totika ko voter batu parce que aza mwana ya ya tel mwana ya tanti mwana ya grand frère. Mais tala eloko nini mutu ya kozala capable ya kosalela mboka. Ya kosalela circonscription na yo d'abord. To voter nenga to voter que la fois passée parce que si nous reprenons les mêmes méthodes que tu utilisais la fois passée na élection oui tu conjoues les mêmes résultats 5 ans to sacrifier 5 ans prochains t to voter utile de voter utile hein? To voter utile na zombo ya koloba onga na za numéro 344 nga inde t tose la campagne. Tu oses la campagne, mais tant que tu as la campagne, ça c'est parmi les meilleurs des meilleurs de Mbujimayi. Nakenda Mbujimayi, na continue l'oba image. Ya bato bayaki ko landanga na meeting. Fayula oko kate? Ah, yo zikindika Fayula po, Fayula seleoni. Non, na ope sa ka exemple, parce que Fayula za grand frère na biso na politique. Azala ki deuxième aux élections. Mais ce que au moins bateau bah il faut suivre en gai au cas quand il sait qu'il n'a pas ça et bango bambongo alors qu'il n'a rien bah il faut aller ne parce que na linga la bougema imingi parce que baza ba politicien makasi na bougema la colère est bambongo bah bonjour bilamba bah voyez mais là yo mais mon colère vote au colère na mno kwamboka. Merci beaucoup. Mais je t'assure. Merci beaucoup. Et Michel Silinango. Merci de vous. Merci pour l'invitation. Déjà, Koloba, merci. Nandingo Yambi, invitation à Bissou et Konore Bissou pour la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Ngaïnde Nazo Pesabino, merci. Mingi, Yako, sélectionné Ngaï parmi les invités Nabino. Merci beaucoup. Nabandi était pour les Ali Goya, Togobengao, parce que Ningi actualité Zoki, les Ali. Voilà. Et parti Nanga, Mingi, à moi, son Bissouni, mon Amboka. Ouais. Ok, Nambouji Maï, Kuna. Anambongote, logote, oh population, vous êtes vraiment les Kanya Kawana, stratégie ni ôté en place. Malobara, malobara. Stratégie on a ôté en place. Déjà d'abord, vision nanga. La ligne naza la députée, les apôts n'ako salam salanini. Kolakisa, bandeko, barrière y a passé au basalaki. Na oyo biso to ling to corriger. Merci beaucoup. Parce que te suka non kawana, suka non wana. Hein? Suka non wana. Et bien que ba député bazo 21 000 dollars. Et bien que ba na palissade. So comme na na et bien que qui ba pécio 21 000 na palissade ou soit ou soit. Na et bien que ba député ba na palissade.